Salut à tous, c'est Megiddo. Là, ça va pas être un test, c'est juste une vidéo détente. En attendant que je vous prépare la rétrospective Mortal Kombat, j'ai décidé de m'amuser un peu avec, et oui, Street Fighter The Movie. Voir un peu ce que donne ce jeu, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos tests sur ce jeu. Là, donc, c'est la version arcade. J'ai préféré prendre la version arcade alors que la version PlayStation ou Saturn possède des personnages en plus, mais bon. Que dire d'autre? Comme je disais, donc j'ai vu pas mal de vidéos sur internet, surtout de Mugi Speed Show et d'autres, qui ont testé plusieurs versions de ce jeu. Et donc j'ai voulu voir mon avis, comme j'allais justement me préparer à faire un Mortal Kombat. Donc voyons un autre jeu de ce genre. Bon, on va y aller. Comme vous pouvez voir, la version arcade propose 14 personnages. Moi, je vais prendre Ryu. Ah, contre Vega dès le début, ouais. C'est vrai que, à ce que je vois, ça fait très Mortal Kombat. Hein. Mais à part que là, je trouve que les animations sont assez foireuses. Hein. Côté autant à Mortal Kombat, ça peut être assez fluide, surtout le 2. Autant là, je sais pas, mais j'ai l'impression de voir des gifs animés. Alors ça c'est vrai, hein, ce que j'avais entendu dans les tests, on a l'impression de jouer avec des gifs animés. Eh bon, eh ben mal. Ah j'ai cru que j'allais perdre. Ah tiens, Akuma. La Monkey quoi. Ouais donc les décors sont pas terribles. Finalement il est plus jouable que je pensais. Hein. Je m'attendais à un gros à déplacer des phares passés, non ça va. Ah, j'ai pas le temps de faire ma méga boule de feu, bon, tant pis. Contre Chun-Li, tiens. D'ailleurs, j'ai vu que l'actrice qui joue Chun-Li a joué dans la saison 5 de Mon Oncle Charlie. C'est la juge, là, asiatique. Ça me fait assez marrer. D'ailleurs, c'est aussi la voix américaine de Mulan. Donc ça veut dire qu'elle a, à part ce jeu, elle en a fait d'autres, donc elle a bossé dans les Kingdom Hearts. Faut que dire d'autre. Non, je vais pas vraiment le tester, dire... Je sais bien que le jeu est pourri, donc... Je vais juste le test pour m'amuser, c'est tout. Donc, je vais voir jusqu'où je peux, je suis capable d'aller. Mais sérieux, on est loin de la jouabilité d'un vrai Street Fighter. Putain, un Balrog, c'est une planche à pain à côté du vrai. Putain, il fait tout petit Balrog là. Je suis assez déçu. Il est capable de me renvoyer ma propre boule de feu, je le signe. Et voilà, je l'ai fini avec le méga attaque, c'était dur. Putain, elles sont dures à sortir. Hein. Pourtant, deux quarts de cercle, c'est pas compliqué. Ah, contre Ken, voilà ce que ça va donner. Ah, ça me fait marrer, c'est que Ken, il dit non ses attaques en anglais, à part le Hadouken. Hey, il m'a coincé, salopard. Ah, il y a aussi chiant dans Street Fighter 2, quoi, ce que je vois. Ah, il m'a eu. Saligo. Allez. Ah. Allez. Et voilà, gagné.
Allez, crève. Crève Ken. Surtout, tu ressembles à rien. Je sais pas où ils ont vu qu'il était blond. Ah, ça y est. Et voilà, ah, c'était juste. Allez, combat suivant contre eux. Ça gâte. T'as, ils font vraiment au pif, hein, le combat. Il n'y a pas vraiment de suite logique, ce qui est assez hallucinant. Déjà que dans le film, il n'y avait pas de lien entre les personnages. C'est moi ou ça gâte, il n'y a même pas de cicatrice sur le ventre. D'ailleurs, je me souviens même pas l'avoir vu en short dans le film, c'est pour dire. D'ailleurs, si je me souviens bien, l'acteur qui joue Sagat avait joué dans... C'est quoi cette attaque? C'est quoi ce truc là de... Avec son œil? J'ai pas compris. Elle va me latter là. Bon ben, je vais changer de personnage, je vais prendre... Allez tiens, Akuma, on sait pas ce qu'il fout là d'ailleurs, il est même pas dans le film. Putain, on dirait un mec sadomaso. C'est quoi toutes ces épines? Mais... Ah, il va me latter. Allez, deuxième round. Ah. Là, c'est à peu près le seul décor qui est à peu près potable en jeu. Et même, je suis l'ancien, on dirait une photo. Quand même, sur Charge Vette, déjà sur Mugen, on peut en trouver pas mal de certains des personnages de ce jeu. Enfin, en tout cas, une dizaine. Enfin, moi, c'est le nombre que j'ai, c'est-à-dire j'ai Ryu, Ken, Akuma, Bison, Sagat, Camille, DJ. Savander, un personnage créé pour l'occasion. Après j'ai qui? J'ai Blanca. J'ai qui d'autre? Je suis sûr que j'en ai d'autres. Bah Guile bien sûr. Je suis mort. Bon bah je vais arrêter là, c'était juste une petite vidéo pour délirer, pour voir à peu près ce que je pensais de... C'est pas un test, c'est juste un petit délire de Street Fighter The Movie. De toute façon j'ai déjà fait presque toute la saga des Street Fighter, fallait bien que je le fasse un de ces 4 dessus. Donc c'est pas vraiment un test, donc c'était juste une petite préparation avant Mortal Kombat. D'ailleurs je vais peut-être vous faire une petite vidéo bonus. Un petit truc délire. Dans le même genre que Mortal Kombat, vous verrez bien. Allez, à plus. You give up?